Est-ce possible? Ah, vous voilà. Gardienne. Gardienne. Attention, gardienne. Ça a marché. Vous êtes en vie. Si vous saviez le temps que j'ai passé à vous chercher. Je suis un spectre. En fait, je suis votre spectre. Et vous, disons simplement que vous sortez d'une longue mort. Vous verrez que le monde a beaucoup changé depuis votre époque. C'est trop dangereux ici. Ils vont nous réduire en miettes. Je dois vous ramener à la cité. Ne bougez pas. Tout va bien. Je suis toujours avec vous. Nous devons partir. Vite. Ça fait un moment qu'il est là. Il n'a pas servi depuis des siècles, au moins. On a de la chance que les déchus ne l'aient pas démantelé. Il peut voler ? Espérons-le. Voyons voir. À atteindre la cité. Et quant à la téléportation... Vous faites entrer. Nous en viendrons nous occuper de plus tard. Pour l'instant, rentrons chez nous. Et bonjour tout le monde, alors c'est Monsieur Nours, on se retrouve pour le deuxième épisode du Let's Play sur Destiny. On va partir donc sur la deuxième mission, enfin la première d'ailleurs, parce que la première, le début c'était vraiment le tutoriel, donc c'était pas tellement une mission. Mais voilà, on est revenu avec notre vaisseau, et là on va partir donc sur la Terre je crois, donc oui de toute façon. Donc on retourne sur la Terre, on va faire la mission remise en état, on va chercher donc une pièce détachée pour notre vaisseau, pour pouvoir partir en orbite. Donc voilà, je tenais à m'excuser du son du micro, qui n'était pas présent sur le premier épisode, enfin si, il était présent, mais très très bas. Donc voilà, j'ai fait le réglage, normalement c'est nickel, on doit bien m'entendre. Il ne reste presque plus rien ici. Les déchus pillent tout ce qu'ils trouvent. Nous avons eu la chance de trouver ce vaisseau. Un gardien ne peut pas protéger la cité sans ça. Mais il nous faudra une boîte de distorsion pour aller combattre. Et pour en trouver une, je ne vois que le cosmodrome. Nous avons survécu une fois aux déchus. Nous leur survivrons encore. Ça, il n'y a pas de doute. On va leur survivre. On n'a pas peur des déchus. Surtout qu'on a récupéré un peu d'équipement quand même depuis. Il devrait bien se passer. Le vaisseau d'un gardien a été abattu par ici. Nous pourrions en récupérer des pièces, si les déchus ne l'ont pas déjà fait. Ah bah je joue un titan en doctrine assaillant. De toute façon, la doctrine, j'ai pas trop le choix jusqu'au level 15. Alors j'ai choisi titan parce que j'ai essayé hein, les trois classes, donc titan, chasseur ou arcaniste. Et le gameplay du titan me plaît assez, donc... C'est un peu ce que je joue quand je joue un MMO, des espèces de guerriers au corps à corps. Bon là c'est avec un fusil mais ça me plaît assez bien donc... pas le roi de la gâchette qui est... Avec les armes bas niveau, on va pas dire que le viseur c'est le top aussi.
systèmes sont complètement morts. Mais je pense pouvoir récupérer leur dernière transmission. Ils ont réussi à restaurer un relais d'information dans les tunnels en dessous. Allons voir ça. Ok, donc faut aller dans les tunnels. Alors il y a des coffres à récupérer. On en a trouvé un dans la première mission. Ou non, on va le récupérer dans celle-ci. Donc oui, j'ai déjà fait la mission, donc je sais que... À quoi m'attendre ? En tout cas, l'intelligence artificielle des mobs... Franchement, et pas mal. Les esquives au dernier moment, c'est tout à fait ça. Et la gestion du recul aussi du fusil hein, sur le viseur est assez spécifique. Si on reste totalement appuyé sur la gâchette, le fusil monte par la force du recul, c'est vraiment... C'est assez réaliste, je trouve. Même si je n'ai pas... Pas tant que ça tiré dans la vie réelle, même jamais. Enfin, si j'étais tiré au fusil de chasse, mais... C'est une carte complète de la zone. Voici la carte complète du cosmodrome. Ce qu'il nous faut, c'est la boîte de distorsion. Comme ça, nous pourrons voyager vers n'importe quelle planète. La plupart, en tout cas. Notre seul espoir est là où nous avions dégoté notre vaisseau. Il faut y retourner. Ok, donc on va chercher une boîte de distorsion là où on était... Lors du premier épisode, je sais pas si c'est bon de le charger. Donc on y retourne. Alors faut savoir que ces maps sont des mondes ouverts, donc n'importe qui peut se retrouver à côté de vous et vous aider d'ailleurs. Donc on peut tomber sur des gros levels. Donc là j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait voilà, le Dexter 8340, donc c'est un level 25. Donc lui doit faire ses missions hebdomadaires, je pense. Voilà, donc vous pouvez tomber sur des gens comme ça, qui peuvent vous aider. Ah, là voilà, on a un coffre. Par contre, je pense pas pouvoir aller le chercher, je pense pas avoir le... Voilà, j'ai pas le double saut, donc je ne pourrais pas aller le chercher. Et donc voilà, et donc après on a des zones instanciées, donc là où on est vraiment seul à pouvoir y rentrer, ou alors avec notre escouade, donc notre escouade peut faire partie... peut être composé de 3 joueurs hein, donc voilà le premier coffre en or, il y en a 5 à trouver dans chaque map. Bon, bien sûr, sur internet si vous voulez chercher la boîte de distorsion, il y a des guides pour les avoir tous. Mauvaise nouvelle, il y a elle est entre les mains des déchets. J'espère que vous êtes prêts. Et voilà, donc là on est rentré dans une zone instanciée, donc là il n'y a que moi, il ne pourra y avoir que moi ou les membres de mon escouade. Voilà, Rick qui se la raconte des diables. C'est lui qui détient la pièce de jeu. On va essayer de ne pas mourir. On a la difficulté n'est pas très énorme. Elle l'est beaucoup plus quand on avance, je crois. Ah.
c'est ça que je parlais, c'est l'intelligence de... des mobs. Bien se mettre à couvert ou à découvert selon les trajectoires qu'on prend. On peut les prendre par surprise, des fois ils attendent pas et on arrive par derrière. Et c'est bien sûr qu'on peut voir. Alors on a une grenade, on va la balancer. Ça lui fait rien. Je ne voulais pas. C'est pas grave, c'est pas grave. J'espère que vous êtes prête. Allez, c'est parti. Je vais juste régler un truc. Voilà, c'est mieux quand même. Voilà, on aura un peu plus de défense. Voilà, donc on est reparti. Cette fois-ci, on le tue. C'est moi qui fais la dessine, hein, vouloir aller chercher le coup de poing sur, sur le vandal, par le justement en rien, par mon état découvert, et juste à côté du, de l'arc-compte. Hein. Pas très intelligent. Alors, si je le remets là-dedans. Ils sont dans les murs. Il a plus fort. Il vise un changeur dans la tête. Ah bien sûr. Les mobs ont des ondes sensibles. Donc là les têtes des mobs sont sensibles. Donc ça fait des, généralement des critiques. Voilà, vous voyez que quand je tire sur le corps, ça fait du 20 de dégâts. Dans la tête, ça fait du 29. Allez-y. Fusil à fond, c'est bien. Allez. Pourquoi j'ai changé d'arme, je sais pas. Voilà. Dès qu'on tire à la tête, 29 de dégâts. Appel à des mobs. On va essayer de s'en occuper. Voilà, on peut passer à côté. On récupère des petits humaines. Et vous avez tué un Marco. Nous avons entravé les déchets et récupéré une boîte de distorsion. Nous pouvons aller nous battre sur la Lune. Il faut que je vous présente au guide. On récupère le panier mission qu'il y a au sol. Voilà. Et donc voilà, la première mission, remise en état. Donc on a récupéré la boîte de distorsion. On va pouvoir se déplacer beaucoup plus loin.
dans la stratosphère. Alors, ça va être utile pour aller sur les prochaines planètes, hein, tout ce qui est Lune, Vénus et Mars. Et on aura le récif aussi, qui n'est pas une planète, mais juste un endroit où on ira beaucoup plus tard. Voilà, alors j'ai gagné un nouveau fusil à pompe et une tête. Voilà, donc là on va se retrouver que sur la tour, là où on a les gardiens. On va aller récupérer nos récompenses, les équiper. Et on se laissera là pour l'épisode 3, donc avec la prochaine mission. Ah, je crois qu'il y a d'abord une petite cinématique, si je me rappelle. Voilà, je vous laisse profiter. Il fut une époque où nous étions bien plus puissants. C'était il y a longtemps. En attendant le jour de son éveil, je suis celui qui parle pour le voyageur. Vous avez sûrement de nombreuses questions, gardienne. Avant de s'éteindre, le voyageur a créé les spectres dont la tâche est de trouver ceux qui sauront se servir de sa lumière comme d'une arme. Des gardiens qui pourront nous protéger en lieu et place du voyageur. Que lui est-il arrivé? Je pourrais vous parler de cette guerre il y a bien longtemps. De l'agonie du voyageur. Vous parlez du pouvoir des ténèbres, son ennemi de toujours. Dans la cité, on raconte ces histoires pour faire peur aux enfants. Quoique plus tellement aujourd'hui. Les enfants n'ont plus besoin de ça pour avoir peur. Les ténèbres sont de retour. Cette fois, nous n'y survivrons pas. Ces armées nous encerclent. Les déchus n'en sont qu'un premier aperçu. Que puis-je faire? Vous devez repousser les ténèbres. Les gardiens se battent sur Terre et ailleurs. Rejoignez-les. Votre spectre vous guidera. J'espère juste qu'il vous a bien choisi. Ça, j'en suis sûr. Maintenant, nous sommes inséparables. Ah voilà, cinématique que je trouve assez quand même sympathique. L'univers est quand même assez prenant, immersif. Et les cinématiques sont super belles. Alors, on va faire les améliorations déjà. Donc là, normalement, on a débloqué le double saut. Voilà, ce qui me manquait pour avoir le coffre tout à l'heure. Là, on a débloqué, oui, on a eu un nouveau fusil à pompe qu'on va équiper. Et qu'on va démanteler l'autre, l'ancien. Voilà. Ça nous fait des lumens. Alors la lumen, c'est une espèce de monnaie qui servira à acheter toutes sortes de choses. Enfin, c'est ce qui sert de monnaie en fait dans le jeu. Donc notre nouveau casque, qui est beaucoup mieux. Donc on va l'équiper, démanteler l'ancien. Alors, on voit que la couleur du stuff se met à jour au fur et à mesure qu'on change. Alors là, on a des engrammes encryptés. Donc ça, c'est des objets qui, bon, on va avoir un
un gant à la place, hein, mais il faut aller voir un cryptarque pour qu'il nous le décrypte, et on peut donc avoir donc un objet de qualité verte ou de qualité bleue, selon la chance qu'on a. Il y en a plusieurs qui tombent dans plusieurs instances, on pourra après, au fur et à mesure des levels, en avoir des mieux et directement choper des engrammes encryptés de qualité rare. Et donc le rare contient soit du rare, soit de l'épique. Donc voilà, ça c'est nul. On démonte. Ça c'est encore plus nul. Voilà. Ici on a l'inventaire, donc là c'est tout là où on stockera tous les matériaux. Donc plus on va avancer, plus on aura du gros stuff. Et le stuff plus haut niveau, quand on va le démonter, ça nous fera des pièces. Et on pourra aussi looter des minerais, des plantes sur les planètes. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça c'est les étendards, donc ça c'est ce qu'on récupère dans les missions et on les échangera contre des lumens. Là ce sera les missions qu'on a. Et ici les contrats, donc les contrats ça se débloque au niveau 4 je crois. Et donc voilà, pour l'instant j'ai 1218 lumens. Ça c'est les écus de l'avant-garde, donc ça ce sera quand on sera level 20. Et ça c'est les écus de l'épreuve, donc ça c'est quand on fait du multijoueur et du PVP. Voilà. On va vite fait finir. Chercher nos récompenses, échanger nos étendards, et on se quittera pour le deuxième épisode, ce sera donc la fin, et on continuera donc l'épisode 3, la prochaine mission. Et donc je réitère hein, ce que je disais sur le premier épisode, même si je ne suis pas sûr qu'on l'ait entendu avec le niveau du micro qui était assez faible. Donc n'hésitez pas, si vous voulez jouer avec moi, il n'y a pas de souci, mettez-moi votre idée PlayStation 4 en commentaire, je vous ajouterai en ami, et pourquoi pas faire une mission ou un assaut beaucoup plus tard, quand on sera au plus haut level, ensemble, quoi. Donc voilà, on peut jouer jusqu'à 3 par mission en coopération, donc ça peut être sympathique. Et voilà, donc on arrive sur la tour, il y a généralement beaucoup de monde, surtout à l'heure où je tourne. Donc là on va voir le cryptarque, donc c'est lui qui s'occupe des récompenses, tout ce qui est étendard, voilà. Donc là on lui échange contre 200 lumens. Et donc vu qu'on avait voilà, un engramme encrypté, c'est lui qui va nous décrypter. Et donc on a des gants de qualité verte. On va tout de suite équiper, je pense qu'ils sont mieux. Ah non, on ne pourra pas les équiper, il faut le niveau 4. Très bien, bon, on attendra le niveau 4. Voilà. Soyez prudents. Je pense que c'est tout ce qu'on a à faire ici. On va peut-être vous faire une petite présentation. Donc là, on a la poste. Donc c'est là, si vous oubliez des objets pendant une mission ou un assaut, vous la trouvez ici. Tout ce qui est message aussi, ça sera par ici. De l'autre côté, on a les commandes spéciales. Donc, oui, ça c'est l'emblème que j'ai débloqué par rapport à mon autre partie que je fais personnellement. Donc voilà, donc là on a l'honneur de l'avant-garde. Que je ne vais pas prendre. Bonne chance. Pour l'instant. Après, ici, on a Xander, lui c'est le personnage qui donne les contrats, donc qui seront débloqués au niveau 4. Transaction. Il y en a plusieurs, donc il y a des contrats sur l'avant-garde, des contrats sur l'arène et des contrats sur le multijoueur, donc le PVP. De cette aile là, on va direction du guide, donc pour certaines missions il faudra y aller, et il y a une vendeuse d'emblèmes, je crois, si je me rappelle bien. Voilà. De l'autre côté en face, on a vu la dernière fois, c'est là où il y a les vaisseaux. Bonjour Titan, vous cherchez les réquisitions. L'armurier qui est au fond là-bas. Au fond de la tour là-bas, donc de l'allée, on a la représentante de la reine sur la planète Terre. Parce qu'il faut savoir que la reine habite donc sur le récif.
On verra plus tard. Ici, on a les PNJ qui vendent le l'équipement de multijoueur. Donc, quand on gagne des épreuves du multijoueur, on débloque des sous, enfin des monnaies, et on peut échanger après que la monnaie contre de l'équipement. Et ici, on a la salle des classes. Hein. Donc, ici, c'est le maître des arcanistes. Celui-ci des chasseurs et celui-ci des titans qui nous intéressera beaucoup plus tard, et donc chacun vend voilà. Donc là ils nous vendent des petites armures qui ne servent à rien pour moi, parce que c'est ce qu'on peut débloquer en faisant des missions ou alors en tuant des mobs, hein. Ça sert à rien de dépenser des lumens pour ça. Ici c'est des armures épiques, enfin légendaires, donc qu'on débloque à partir du niveau 20 et qu'on a contre des sommes d'écus d'avant-garde, voilà. Donc voilà, 65 écus, il faut savoir qu'on peut en faire que 100 par semaine, les écus, et on les gagne en faisant des assauts héroïques, enfin de plus grande difficulté. Donc, et après ils vendent des emblèmes. Donc voilà. Répandez la lumière. Bah écoutez, on va se laisser ici. Je vais vous laisser, on va faire l'intro de fin sur la belle vue qu'on a. Comme sur le premier épisode. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, que vous l'avez appréciée. En tout cas pour moi ce jeu est sympathique. Je pense faire beaucoup d'épisodes dessus. Et voilà, j'ai une autre série en préparation. Je suis en train de voir ce que je peux faire. Donc voilà, on se laisse sur cette magnifique vue. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et on se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Salut!